mets-toi dans la lumière, Loïc. Viens dans la lumière pour les photos. Donc, déjà... Je vais donner la parole tout de suite. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci aux journalistes qui vont faire assister à une conférence de presse publique, du coup, improvisée. Je rappelle juste que Loïc a été arrêté dans le cadre d'une action avec presque une centaine d'autres personnes. Seul lui est resté au poste dans le commissariat du 7e, puis au mandat de dépôt. Il a plein de choses à raconter sur les conditions des gardes à vue. Et donc, dans le cadre d'une action qui avait été décidée à l'Assemblée Générale à Berthier lundi soir, d'occupation du hall du MEDEF, et donc qui s'est terminée qui a inclus une agression du chef de la sécurité du MEDEF envers Loïc, lequel chef de la sécurité s'est aussitôt mis à porter plainte. Et tu vas nous raconter dans quelles conditions s'est passée ta garde à vue, puisque c'est l'agressé qui s'est retrouvé. Qui s'est retrouvé en Christé. Voilà. En tout cas, merci à tous les soutiens. On va prendre des prises de parole après que Loïc nous ait raconté ce qu'il en est. Dis un mot d'introduction. Tout simplement, aujourd'hui, c'est une conférence de presse, une assemblée de lutte, puisque, bien sûr, cet après-midi, on va se retrouver à la manifestation à Nation. Vous allez vous retrouver, parce que nous, on va jouer. Joliment, on va aller jouer ailleurs, à Orléans. Mais bon, voilà, on incite à la lutte, bien entendu. C'est très bien que ça soit passé rapidement comme ça, ça peut nous permettre de continuer à lutter en préparant le procès qui va venir. Et j'ai tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci d'être là à tous. Bravo. Bravo. Bon, alors, voilà, un grand merci à vous tous qui êtes là. Un grand merci à tous ceux qui sont venus quand même dans le MEDEF. Mardi, parce que je pense que c'était une belle action et qu'on a bien fait de la mener, quelles qu'en soient les conséquences. Bravo pour les actions que vous avez menées depuis. Je viens d'apprendre que ça n'arrêtait pas, que le mouvement continue et qu'il rebondit dans tous les sens, et qu'il y a encore de la manifestation cet après-midi et d'autres actions prévues dans les jours qui viennent. Et j'espère qu'on sera très très nombreux pour qu'on puisse gagner à la fin, à la fois pour l'abolition de la loi El Khomri, à la fois pour l'arrêt de l'état d'urgence, et à la fois pour une vraie solution pour les intermittents et l'ensemble des chômeurs. Bravo. Bravo. Sachez, ceux qui vous êtes échinés à essayer de me suivre d'un commissariat à l'autre selon les endroits où j'étais transféré, que je vous ai entendu à chaque fois, et que ça faisait vraiment bien plaisir. Et que même mes camarades de cellule, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec cette affaire, étaient très contents qu'il y ait du monde qui soit autour et qui proteste contre les enfermements en général. Alors, sur ce qui s'est passé mardi, je crois que maintenant vous en savez l'essentiel. Effectivement, on est allé voir au MEDEF et protester contre le fait qu'il s'oppose à cet accord qui pourtant nous convient... aussi bien employés qu'employeurs dans le milieu du spectacle. Sur place, on était très contents d'être là, on savait qu'on était au bon endroit. Ce monsieur qu'on a pris au départ pour étant un responsable politique du MEDEF, en fait, s'est avéré être le chef de la sécurité, mais on l'a su bien plus tard, quand on a découvert son bureau. Au début, il est surtout arrivé comme un teigneux, tout énervé, qui était méprisant, mais qui était même insultant. On sait que nous ne lui avons pas porté de coup. On sait que lui nous a non seulement insulté, mais en plus a ensuite porté un coup. Et c'est ça, en fait, ce qui, je pense, l'a motivé à porter plainte. C'était pour couvrir son manque de sang-froid, son énervement, ce qu'il a dû ressentir comme une humiliation en tant que chef de la sécu qu'on soit là. J'ai eu beau lui expliquer que c'était contre les dirigeants politiques du MEDEF qu'on en avait, et pas contre les salariés du MEDEF. Mais il a maintenu sa déposition telle quelle, on a été confrontés hier, il maintient sa déposition telle quelle, si, ce monsieur m'a tapé. Bon. Tous ceux qui sont là savent que c'est évidemment faux. Alors, moi, effectivement, il m'a frappé... Et je suis ensuite allé à l'Hôtel Dieu passer une échographie, tout va bien, je suis en bonne santé, merci. Que dire de plus? Que tout au long des rencontres avec les différents interlocuteurs de la police,
J'ai à chaque fois expliqué, mais c'est... Ne me considérez pas comme le suspect, c'est moi qui suis plaignant. C'est moi qui suis allé vers vous pour porter plainte et dire que cet individu m'avait frappé. Et tout au long, ils m'ont dit « Oui, oui, mais c'est pas à nous d'en juger. » Et donc je me suis très rapidement retrouvé, d'abord avec les menottes pour sortir du MEDEF par la porte arrière. Ensuite, dès que je suis arrivé au commissariat, on m'a accroché à un banc. Après, on m'a dit « Vous êtes en garde à vue. » Et à chaque fois, je leur dis « Mais c'est quand même hallucinant, je viens vers vous pour porter plainte pour violence, et vous me mettez moi en garde à vue. Oui, oui, mais c'est pas à nous de juger. » Et c'est comme ça depuis 48 heures, puisque je viens de sortir il y a à peine un quart d'heure. Depuis le début, je tombe sur des gens qui me disent « Oui, oui, on comprend ce que vous dites, mais c'est pas à nous de juger. » Et paf, un niveau de plus. Après, ça a été les empreintes. Après, ça a été les photos. Ça a été la prise d'ADN. Ça a été en cellule avec tout le caractère humiliant qu'on fait subir à chaque personne qu'on met en garde à vue. Hein, on retire les lacets, on retire les bretelles ou les ceintures. Donc on se retrouve complètement dépendant. Il faut demander pour avoir le droit de boire un verre d'eau. Il faut demander pour avoir le droit de manger un truc. Je ne vous en parle pas. Et tout, à chaque instant, pour aller aux toilettes, il faut encore attendre la bonne volonté du policier, qu'il soit disponible, etc. Et pour tout, on est infantilisé, voire humilié régulièrement. On dort dans des conditions, dans des endroits qui sont franchement dégueulasses, avec des couvertures qu'on ose à peine toucher. Et le pire, c'est quand... il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'on ne sait jamais, jamais ce qui va se passer, ni quand ça va se passer. On est en permanence soumis au « attendez, à un moment, on s'occupera de vous. » Pour en faire quoi, on ne sait pas. Pour à quel moment et qui, on ne sait pas. Et donc, on est infantilisé comme ça d'un bout à l'autre et soumis au bon vouloir, à la bonne organisation des policiers. Et puis, j'ai été baladé dans plusieurs commissariats parce qu'ils étaient très énervés par le fait qu'il y ait des mobilisations de soutien. Voilà, je vous l'ai dit, ça fait un grand bien. Merci. Et pour ensuite se retrouver hier à la confrontation où on arrive, on est crado, hein, ça fait 48 heures qu'on n'a pas pu se laver, se raser, manger correctement, dormir correctement, et face à un monsieur qui lui est tout propre sur lui, et on dit c'est votre parole l'un contre l'autre. Sauf qu'on voit bien de quelqu'un qui est frais comme un gardon et de quelqu'un qui a les yeux jusque-là et qui est crado et qui pue, et le commissaire ne regarde pas de la même manière. Hein. Et l'injustice va jusque là. Et puis ensuite, c'est pour se retrouver ici au dépôt. Triste expérience, franchement avilissant pour tous les gens qui se retrouvent là-dedans. Moi, c'est la première fois, d'autres y sont passés plusieurs fois. C'est immonde. Hein. Il y a eu des reportages, des commissions qui ont dénoncé ça il y a quelques années. Et je vous dis, c'est toujours pareil. On est dans un endroit où on ose à peine s'allonger, tellement c'est crade. Une odeur infecte, de la merde sur les murs au plafond, une caméra qui vous surveille en permanence. Il y a un robinet, mais il ne fonctionne pas. Il y a un bouton pour appeler l'agent de police, mais il ne fonctionne pas non plus. Et puis, toute la nuit, y a des cris, des hurlements, des gens qui tapent sur les barreaux, sur les portes. Donc là encore, la notion de justice ne peut pas s'appliquer. Et tout ce qui se passe là-dedans, le terme qui m'est revenu en le vivant, c'est vraiment avilissant. On sort de là, on est battu, certainement pas physiquement, mais encore que ça doit arriver, mais ça n'a pas été mon cas du tout. Mais par contre, on a pris une claque dans ce qu'on devrait être comme citoyen, comme être humain. Donc, j'ai rencontré le procureur ce matin qui m'a dit « C'est pas le moment que vous passiez en jugement, vous passerez le 5 août ». J'étais assez content de sortir, je vous avoue, hein, je ne vais pas insister. Ça veut dire qu'on a un mois et demi pour préparer le dossier pour que enfin soit mis en lumière le fait qu'il n'y ait rien du côté de l'accusation, qu'il n'y a pas eu de violence et que c'est juste une diversion de la part du MEDEF pour essayer de se sortir pas trop mal de l'humiliation qu'on leur a mis en allant dans leurs locaux et du fait que effectivement c'est eux en ce moment qui cassent ce qui se passe dans ce pays, qui cassent toute avancée sociale et qui essayent de pousser à de nombreux reculs sociaux. Donc pour qu'on sorte de ce débat de fond sur le rôle du MEDEF dans ce pays, sur
Quel était ce slogan ? Séparation du MEDEF et de l'État. Exactement. Séparation du MEDEF et de l'État. Et là, je crois qu'on était au bon endroit. Donc, on a encore, bien sûr, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, pour faire tomber la loi El Khomri. On a les jours qui viennent et les semaines qui viennent pour faire tomber l'état d'urgence, pour faire tomber la démarche en cours du MEDEF et de certaines confédérations comme la CFDT, la CFTC, la CGC, qui essayent de casser l'accord sur les intermittents, alors que cet accord, on le pousse, on le défend. On a tous ces jours-là pour se mobiliser. Et puis le 5 août, j'espère qu'on sera encore nombreux ici, non plus pour ces histoires-là, parce qu'on aura évidemment gagné d'ici là, mais au moins pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de condamnation de militants, juste pour que le MEDEF puisse se sortir d'affaire. Il y a le festival, c'est vrai. Voilà, il y a le 5 août. Et puis, attention, hein, je ne suis pas le seul à avoir été arrêté dans ce mouvement. Hein. On est nombreux. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tous les camarades qui ont été arrêtés à un mouvement ou à un moment ou à un autre de ce mouvement reçoivent le même soutien, reçoivent le même soutien politique, parce que tous ceux qui luttent en ce moment, ils font les soutenir. Bravo. J'en profite pour... Déjà, on a besoin, tous les témoins qui étaient là, s'ils peuvent se manifester, donner leur témoignage, leur film, leur photo à Clément. Clément va vous donner son mail. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous avez, photo, film ou même témoignage, à Clément, clement-jolimome.org. Voilà, et on va faire une... Clément, clement@cie-jolimome.org. Voilà, pour qu'on puisse faire une collecte pour le dossier, pour le 5 août. Voilà. En plus, je viens de recevoir, changement de dernière minute, la manifestation de convergence des luttes dont je vous ai parlé tout à l'heure à Nation est déplacée. Le départ est à 13h30 place d'Italie. 13h30 place d'Italie. Le rendez-vous des comités d'action à 13h devant la mairie. D'accord. D'autre part, je vais évoquer rapidement tous les soutiens que nous avons ici. D'ailleurs, ça se voit, il y a les drapeaux, il y a le Sud, il y a la CGT, les intérimaires, il y a le Parti de gauche, il y a Lutte ouvrière, il y a le NPA, la CGT Spectacle, bien entendu, la CNT aussi, il y a Droit Devant, la CUP-IDF, bien entendu, mais c'est nous, la CUP-IDF aussi. Nuit Debout, le DAL, bien entendu, le DAL qui nous a aidé à faire la demande pour déposer ce rassemblement. Le Monde Diplo, à qui je vais... Le Monde Diplo, Fakir, le Monde Diplo à qui je vais donner la parole, à l'un d'entre eux, celui qui voudra venir prendre la parole un petit peu pour exprimer son soutien, pour commencer. Politis, Mediapart, voilà, on a évidemment la chance d'avoir le soutien de toute, disons, la vraie gauche, voilà. Saint-Denis, oui, ah oui, j'ai oublié, Saint-Denis qui a fait une action hier devant la mairie pour soutenir Loïc, et aussi la ville de Rillac, les camarades de Rillac qui ont été devant la permanence du député de Rillac pour demander la libération de Loïc. Révolution permanente, je vois aussi le site Révolution permanente, voilà. Et donc merci à tous. Et le 5 août, ce sera plus difficile de vous avoir peut-être tous. Mais, De la lutte des chômeurs, de la lutte des sans-papiers, et de ceux qui se sont mobilisés autour de Nuit Debout, il est évident que son inculpation a un sens politique et nous appelle donc à mener une bataille politique. Voilà. Merci Serge. J'ai oublié quelqu'un d'important, c'est le député Front de Gauche André Chassaigne du village dans lequel on va faire le festival, qui évidemment tout de suite s'est rendu au commissariat et doit faire un article aujourd'hui ou demain dans l'UMA en disant Loïc est mon ami. Voilà. Et donc je passe la parole à Céline de la Confédération CGT. Bonjour.
Oui, donc je vais faire rapide, hein, parce que, comme je le disais, je dois partir à Lille parce qu'il y a un autre rassemblement, justement, en soutien d'un camarade qui, lui, est incarcéré, Antoine, en préventive. Et c'est pareil, c'est un dossier vide, complètement monté à charge, alors qu'il était juste là pour manifester avec un drapeau. Donc, comme ça a été dit, il y a de plus en plus de mobilisation, et c'est bien. Il y en a eu toute cette nuit, il y en aura aujourd'hui. Il y a la manifestation du 14 juin, le 23, le 28. On n'arrêtera pas et on ne lâchera rien. Par contre, il est très clair que la répression, elle est de plus en plus croissante. Et moi, je pense que c'est bien des gestes politiques. C'est bien calculé, on le voit bien. Les militants sont de plus en plus arrêtés. Alors, il y a les violences policières se multiplient aussi, et il y a des condamnations, comme l'a expliqué Loïc. Enfin, je veux dire, là, il n'y a plus de justice, c'est très clair. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, et c'est bien que vous soyez là, parce que la solidarité, déjà, c'est très important pour les camarades, justement, qui sont condamnés, incarcérés ou mis en garde à vue. Et nous, il faut qu'on continue pour, justement, demander à ce qu'il n'y ait plus cette répression. Nous sommes aussi, alors, intéressés, nous, d'ailleurs, par tous les dossiers, parce que nous voulons demander des enquêtes parlementaires, parce que ça suffit, ça n'est plus possible qu'on ne puisse plus manifester, qu'on ne puisse plus faire grève, qu'on ne puisse plus s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, quand on entend le gouvernement et le patronat, on a l'impression que finalement, le syndicalisme, faire du syndicalisme, ou en tout cas manifester et se rebeller par rapport à tout ce qu'on veut nous imposer, serait interdit, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même un droit, la manifestation, la grève, et ils y reviennent carrément dessus. Donc ça, c'est purement scandaleux. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à se battre, à surtout ne pas accepter cette répression, à être nombreux à chaque fois, même si c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il faut qu'on soit partout, mais surtout ne lâchons rien et continuons le combat jusqu'en effet le retrait du projet de loi El Khomri, jusqu'au retrait en effet de l'état d'urgence, parce que ça aussi c'est très problématique pour notre démocratie, et pour enfin qu'on obtienne des droits nouveaux. Donc ne nous laissons pas faire et continuons la lutte, et vive la lutte. Merci Céline. Avant de passer la parole à Samuel, aussi le soutien du maire de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis dans laquelle nous sommes installés, absolu, et le soutien du Parti communiste français, et le soutien de la mairie de Gennevilliers, et je continuerai après. Samuel. Je vais pouvoir commencer par vous dire, parce que bon, j'y étais dans ce MEDEF, d'abord vous dire tout simplement une chose simple, nous sommes rentrés par la porte. Voilà, parce qu'un journaliste me demandait, mais comment vous avez fait c'est ça qui a énervé, j'imagine, beaucoup le responsable de la sécurité, parce que nous sommes entrés de façon déterminée par une porte, voilà, et nous sommes entrés dans le hall. Il y avait donc une... Je vous invite à aller lire quand même aussi, ce jour-là, il y avait donc une conférence autour des questions de fiscalité, et le communiqué de presse de cette conférence, qui en fait, cette conférence, elle était là pour expliquer, faire une réponse aux fuites fiscales au Panama, et expliquer qu'aujourd'hui, finalement, des études très sérieuses ont été faites, et les patrons, le patronat, les entreprises sont de plus en plus contrôlés. Il est très difficile fiscalement, très difficile de toute façon d'être fraudeur. Donc c'était une façon de dire, des contrôles, il y en a, il y en a beaucoup et beaucoup trop, et que voilà, et qui pouvait, la réponse finalement, c'était celle-ci. Donc nous étions venus nous inviter à cette conférence parce que nous avions des choses à dire sur ces questions. De l'argent, on n'arrête pas de gueuler dans nos manifestations, quelque chose comme de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat ou de Panama. Et donc c'était une on venait pour leur dire ça suffit avec vos histoires de déficits qui finalement sont là fabriqués précisément pour faire de l'argent. Voilà, ça c'est pour expliquer ce qu'on faisait dans ce MEDEF aussi, indépendamment de toutes les questions de régime général, de précarisation des plus précaires, de l'ensemble des chômeurs, de leur refus catégorique d'imaginer idéologiquement la possibilité de faire des redistributions des richesses à l'endroit des droits sociaux comme à l'endroit, on va dire, du travail. Voilà, toutes ces choses-là qu'on aimerait bien pouvoir, dont on va tous ensemble, on essaie de faire avancer. Je ne sais pas ce que tu veux dire, voilà,
Loïc, on est là, on continuera à être là, on a vu les choses. Il y a plein de. Il me semble qu'il y a un certain nombre de films qui ont été faits. La presse demande éventuellement de pouvoir y avoir accès. On vous répondra quand on aura eu le temps de discuter de ces questions entre nous. Voilà. S'il faut appeler les mots, il faut appeler les choses comme elles sont. Loïc, tu fais partie de la grande liste des prisonniers politiques. La définition d'Amnesty International, tu es resté 2 jours, tu étais en prison 2 jours. C'est effectivement, il n'y a rien dans le dossier. On sait très bien que l'ordre est venu d'en haut, comme Antoine à Lille et comme plein d'autres. Tu fais partie de la grande liste des prisonniers politiques. Et à ce niveau-là, il faut bien reconnaître qu'il est grand temps que les politiques reprennent la main sur les dossiers qui concernent notamment le MEDEF. Pourquoi est-ce qu'on était au MEDEF? Eh bien, rappelez que cette organisation fait partie d'une immense mafia. Cette immense mafia est le paritarisme caché derrière un dialogue social qui n'existe pas, puisque, pour rappel, pour la millier-unième fois, le MEDEF a un droit de veto sur tous les accords qui concernent nos vies, sur l'assurance chômage, sur la sécurité sociale, sur les retraites, sans que personne ne dise rien. Je rappelle toujours qu'on est passé de l'idée du Conseil national de la résistance, qui a pensé les caisses sociales gérées par les salariés élus, et uniquement par les salariés élus, avec l'invention d'un paritarisme qui donne tout pouvoir au MEDEF, qui est à la tête de quelques boîtes du CAC 40. Donc moins d'1% de la population représente les 99% d'autres qui ne leur ont rien demandé. Il est grand temps de foutre ce paritarisme dehors, de foutre le MEDEF dehors, et les politiques doivent reprendre la main. Les politiques doivent reprendre la main. Parce que à chaque élection présidentielle, on entend la même chose. Ça, c'est le dialogue social. Quand on sait que le dialogue social est une mafia, il ne faut pas laisser au dialogue social la possibilité de gérer nos vies. Les politiques doivent reprendre la main et doivent dire ce qu'il faut qu'ils fassent, notamment sur l'assurance chômage. C'est quoi cette assurance chômage? C'est quoi la violence dont parle le MEDEF? Mais la violence, c'est pas rentrer par une porte, comme le dit Farida. La violence, c'est que à cause de leur volonté politique, la violence, à cause des volontés politiques du MEDEF, c'est que 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. La violence, c'est que demain, des gens qui auront 800 euros par mois vont passer à moins de 100 euros par mois d'indemnité. La violence, c'est que des gens qui sont allocataires du RSA se font retirer leurs 400 euros pour des contrôles lamentables. La violence, c'est que des contrôles CAF sont faits. La violence, c'est que des contrôles mandataires, comme à Toulouse, et encore 4 mois, faits sur 80 compagnies. C'est 200 personnes qui perdent leurs droits, qui ne savent pas comment payer leur loyer. La violence, elle est tous les jours, accorde des accords de merde qui signent avec leur valet, qui est la CFDT. Il faut arrêter avec cette pourriture de paritarisme. Je finirai par une chose. Effectivement, là, avec cette répression des luttes, ils font tout ça, évidemment, pour nous dissuader de continuer. Et en prenant Loïc, ils savent très bien que Loïc aussi est une des têtes de pont de l'action. Il est essentiel pour nous. Il n'est pas indispensable, personne n'est indispensable. Il est essentiel. Il a un rôle essentiel dans l'action. Ils savent très bien ce qu'ils font. Eh bien, non seulement ils nous dissuaderont de rien, mais ça nous engage à aller plus loin, plus fort, et on reprend l'ancien et bon vieux slogan de 2003, nos actions ne connaîtront pas de pause. Denis Grévoux, Fédération du spectacle CGT. Tout ce qui s'est dit sur le fait que Loïc n'est pas un cas isolé, comme l'a dit Céline, il y a Antoine à Lille, il y en a d'autres, il y a des militants qui, bien avant les manifs contre la loi travail, aussi ont connu des problèmes. On peut penser au Goodyear, on peut penser au Conti, Xavier Mathieu était là autrefois, pas très longtemps auparavant. Il y a évidemment les camarades d'Air France, et puis il y a des militants à différents endroits, je ne peux pas citer toutes les listes, mais il y a clairement une criminalisation du mouvement social et du mouvement syndical en particulier, et en ciblant particulièrement les syndicats qui n'accompagnent pas les réformes libérales comme la CGT ou Sud.
Donc ça, c'est clair. Il faut juste rappeler, parce que peut-être tout le monde n'a pas en tête, peut-être dans les journalistes présents, le contexte. Alors effectivement, il y a eu l'occupation du MEDEF. Et pourquoi est-ce qu'il y a l'occupation du MEDEF alors qu'on nous dit, vous autres, intermittents, c'est bon, vous avez gagné? Pour l'instant, je le redis, nous n'avons encore rien gagné. Nous avons signé un accord le 28 avril que nous avons âprement négocié et que nous défendons parce qu'il reprend l'essentiel de nos propositions, notamment les propositions communes qu'on appelait les plateformes du comité de suivi, les 500 heures sur 12 mois, la neutralisation des effets des congés maternité, etc., etc. Je vous renvoie à nos éléments. Mais depuis le 30 mai, on sait que certains ne veulent pas, les dominants majoritaires aux négociations du MEDEF, qui ne devraient pas se passer au MEDEF, déjà, continuent à dire bah, « votre accord, vous verrez plus tard, il y a plein de problèmes ». On a eu un réquisitoire, notamment de la représentante de CFDT, qui était encore pire que le représentant du MEDEF, contre cet accord. Donc, il y a, malgré les assurances du gouvernement qui nous dit « oui, votre accord, on va le mettre en œuvre », nous allons nous battre jusqu'au bout pour faire en sorte que cet accord il soit pris en compte réellement et réellement appliqué au 1er juillet. Et puis par ailleurs, comme l'a dit Sam, ces négociations sont des négociations du régime général. Là, ce qui se passe, c'est que certains envisagent encore une fois de baisser considérablement les droits des chômeurs, et particulièrement les chômeurs les plus précaires, les chômeurs les plus basses indemnisations, ceux qui sont dans le régime d'activité réduite. Et ça, on a du mal à attirer l'attention sur cette question-là. Il faut que nous, on soit tous solidaires sur ces questions-là pour dire que c'est un scandale. Il n'y a pas de raison de baisser les droits des intermittents, il n'y a pas de raison de baisser les droits des chômeurs, il y a même besoin de les augmenter puisque plein ne sont pas indemnisés. Et il n'y a pas de raison de remettre en cause les droits de ceux qui sont la catégorie la plus en augmentation, c'est-à-dire les chômeurs qui cumulent les petits boulots avec un petit peu d'indemnisation chômage. Voilà, donc première chose, enfin deuxième chose. Et puis une dernière chose sur la question évidemment de l'ensemble des luttes. Nous sommes en lutte pour faire valoir notre accord assurance chômage. Nous sommes d'accord, nous sommes en lutte contre un article d'un projet de loi qui envisage le travail gratuit pour les artistes. Et nous sommes en lutte aussi parce que nous sommes largement concernés, comme tous les salariés, par la loi travail. L'article 2 de la convention assurance chômage, elle prévoit la remise en cause des conventions collectives. Je ne sais pas ce qui se passe au fond. La remise en cause des conventions collectives. Et quand on change d'employeur 20 fois dans l'année, les conventions collectives, elles sont encore plus essentielles pour défendre, pour pouvoir pas se retrouver seul face à un employeur sans application de minima salariaux et de conditions de travail. Donc on est évidemment concernés et on ne se calmera pas, comme essaye de le faire le gouvernement en essayant de donner de donner satisfaction sur des revendications dites sectorielles. On ne se calmera pas dans la mobilisation commune contre la loi travail qui nous concerne tous ensemble, évidemment. Voilà, donc la lutte continue. Je signale juste, mais je crois qu'une représentante va arriver, que des camarades de la CGT d'Elior et de différentes organisations de la CGT avaient appelé à un rassemblement, sont en cours de rassemblement sur la place du Châtelet pour soutenir des travailleurs sans papiers qui bossent chez Elior, entreprise de restauration collective bien connue pour son sens du dialogue social et du progrès social, et qui donc sont justement sur la place du Châtelet. Comme il y a beaucoup de travailleurs sans papiers, ils n'ont pas voulu forcer le cordon qui les entoure, qui les empêche même d'aller tracter sur les trottoirs au-delà de la place. Mais nous pouvons y aller tout à l'heure en faisant un petit crochet avant d'aller place d'Italie. Une des représentantes est en route pour venir nous dire un mot. Si Marie est arrivée, elle prendra un mot dans la tour de parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres tours de parole, il y a peut-être des questions. Voilà. Est-ce que la presse a des questions à poser? C'est peut-être le moment. Il y a des questions? L'Assemblée? Bon, on continue avec les tours de parole. Si jamais vous avez des questions après le tour de parole. Alors, donc, le tour de parole qui vient, c'est... Denis, une AG lundi, mais on n'a pas encore le théâtre, le lieu. On n'a pas encore lieu, au pire, c'est la Bourse du Travail. Hein? Au théâtre de l'Odéon, on me dit. Bah, oui, hein, peut-être, pourquoi pas. AG spectacle, je laisse la parole à Olivier Besancenot. C'est évidemment un sentiment de satisfaction, mais quand même assez éphémère. Satisfaction que Loïc soit dehors, évidemment, mais on sait que le combat va continuer avec le procès, il faudra organiser la mobilisation. Dire qu'avec le choix politique qui a été fait de taper sur Loïc, sans oublier bien entendu les autres, mais au contraire peut-être pour penser à tous les autres qui sont victimes de la répression. Je pense que le pouvoir a fait une petite erreur par rapport au mouvement, par rapport aux choix militants, par rapport aux choix aussi individuels, peut-être que je vais en parler, parce que comme dit,
quelqu'un me l'a dit tout à l'heure, mais Loïc, c'est quand même pas le plus méchant, voire c'est franchement le plus sympathique. C'est celui avec lequel on a fait un maximum d'actions aux côtés des sans-papiers, sur des actions sociales. C'est même lui qui m'a fait rentrer dans la Comédie Française. D'ailleurs, je tiens à te remercier parce que c'est un très, très joli endroit. Donc, la solidarité, elle a été évidemment, je dirais, elle a été spontanée, elle a été unitaire. Oui, c'est vrai, faut pas le répéter. Je te remercie aussi parce que j'ai pu tester, grâce à toi, quand on était quelques-uns à essayer de pister tes différents déplacements au commissariat, ma popularité dans les standards des commissariats, dans le cadre du mouvement, c'était plutôt radical. Donc aujourd'hui, je tiens juste à proposer deux choses. La première, c'est qu'on fait des rassemblements systématiques et réguliers aux côtés de ceux et celles qui sont victimes de répression, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'extérieur, que ce soit les gardes à vue, que ce soit les comparitions immédiates, que ce soit que ceux qui sont en préventive, et j'insiste aussi là-dessus, puisqu'il paraît que théoriquement dans la loi, la préventive, c'est l'exception et pas la règle. Sinon, tous les CRS qui ont été photographiés et qui ont été pris en photo, qui ont été filmés en train de taper des lycéens, devraient être actuellement derrière les barreaux, ce qui n'est visiblement pas le cas. Aujourd'hui, le gouvernement tape très fort. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'organiser collectivement, tous et tout ensemble, pour créer un grand front contre la répression et laisser personne, je dis bien personne, sur le carreau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième et dernière chose, c'est que je le disais, le mouvement continue et je crois que le meilleur moyen, parce que on n'est pas né de la dernière pluie, le meilleur moyen d'obtenir y compris une victoire contre la répression, c'est de gagner ce mouvement qu'on a enclenché il y a plus de 3 mois maintenant. Et donc c'est pas le moment de lâcher. C'est pas le moment de lâcher. Ce mouvement, il a de la maturité, il a différentes modalités d'action, des occupations, des actions, des grèves reconductibles. Il y a un mouvement de la jeunesse, il y a tout ça à la fois. Il y a eu des mouvements de doute légitimes. Là maintenant, il y a la perspective de l'euro pour mettre les pieds dans le plat, il faut être clair. On a le gouvernement qui veut jouer cette dernière carte, qui pense qu'elle pourrait retourner l'opinion contre la mobilisation en disant l'euro est plus important que la grève. Cette bataille, il faut la gagner. Parce que Valls, même s'il a appris à jamais sourire, à avoir cet aspect grave qu'on lui connaît et qu'il aime cultiver, en expliquant que l'euro se tiendra, l'euro sans métro, sans train, sans énergie, voire dans le noir, je vous souhaite bien du courage. Donc, la mobilisation continue, et ça, au-delà des échéances qui ont été rappelées, ça veut dire à 13h30, je dis bien à 13h30 parce que ça commence aussi par là, à Place d'Italie, aux côtés notamment des cheminots qui continuent la mobilisation. Je vous remercie. Bonjour à tous. Loïc, c'est vrai qu'on est assez content de te voir. Et on est quelques-uns, non pas à te remercier, on l'aurait bien invité, mais on a découvert le commissariat du 7e. Moi, je ne connaissais pas personnellement, c'est en sous-sol. Voilà, un de ces quatre, malheureusement, avec ce mouvement, on va pouvoir faire le guide des commissariats avec les niveaux d'étoiles pour les gardes à vue. On a compris que c'était plus que nul dans chacun des commissariats, y compris au niveau du palais de justice. Il y a deux choses que je voulais dire. La première chose, par rapport à ce que disait Denis tout à l'heure, parce qu'il y a toute une propagande pour nous laisser penser que ce mouvement doit se terminer. Et la propagande, c'est notamment de dire que secteur par secteur, les salariés ont gagné. Alors ça a commencé avec la SNCF, où depuis le début de la semaine, on nous dit « Mais pourquoi font-ils encore grève ?» puisque toutes leurs revendications ont été gagnées. Alors s'il y a des journalistes ici, comme ils reproduisent en permanence cette petite musique, nous leur disons une chose, c'est que comme pour la loi travail, un accord d'entreprise, c'est pas un accord réglementaire. Et que quand le secteur s'ouvre à la concurrence, la signification, ça veut dire qu'après, les salariés seront sous la pression de ce qui sera fait au niveau de leur branche. Et la deuxième chose, Denis l'a dit, c'est que l'accord spectacle, dont nous étions beaucoup à penser, parce que ça aussi s'est répété qu'il était signé, et qu'après tout, les intermittents pouvaient finir leur mobilisation, que le gouvernement craint par-dessus tout, cet accord spectacle, il n'est pas signé, parce qu'effectivement, il y a des syndicats au niveau national et le MEDEF qui ne l'ont pas signé. Et moi, à mon avis, le gouvernement le savait très bien dès le départ. La deuxième chose, c'est que parmi vous ici, je crois que nous avons été beaucoup en 2013 à nous mobiliser sur le fait que ce gouvernement refusait l'amnistie sociale. C'était par rapport à toutes les mobilisations sur Sarkozy. L'évolution de ce qui se passe depuis 2013 montre l'évolution de pire en pire de ce gouvernement. Parce qu'il fait pire que Sarkozy. Il fait pire que Sarkozy. Depuis maintenant ceux de Goodyear, depuis ceux de Air France, nous savons qu'ils criminalisent le mouvement social. Mais il le criminalise à une ampleur, franchement, que moi j'ai rarement vue dans la 5e République, ou alors il faut peut-être remonter à Marcelin. Et de ce point de vue, Cazeneuve, c'est Cazeneuve la grenade. Il le criminalise par la violence. C'est quand même incroyable qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui a à son actif un mort, Rémi Fraisse,
un jeune éborgné à Rennes, le fait que des gens à 28 ans se retrouvent dans le coma, etc., etc., et il est toujours en poste, et il n'y a pas une seule parole, ne serait-ce pour dire que les grenades de désencerclement doivent être interdites dans les manifestations. Il est quand même incroyable. On fasse en sorte que quand des gens du MEDEF, et c'est prouvé avec plein de témoignages, agressent un des nôtres, ça soit un des nôtres qui soit en garde à vue et qui passe en tribunal le 5 août. Il est quand même incroyable qu'à chaque manifestation maintenant, nous savons qu'il suffit d'être dans la manifestation pour craindre de se retrouver en garde à vue, quoi que nous ayons fait et quoi qu'aient été nos modes d'action, même les plus pacifiques. Alors moi je vais vous dire une chose, on parle d'une énergie du MEDEF. Mais en réalité, ce gouvernement, c'est un gouvernement de nervis du MEDEF. C'est un gouvernement qui fait la politique du MEDEF. Et je suis d'accord avec Olivier, ils veulent nous faire croire qu'on a perdu, qu'on n'y arrivera pas. Ils nous mettent sur le dos les inondations, l'euro qui va mal se faire, etc. Mais de qui ils se foutent? Ils appliquent l'état d'urgence, soi-disant contre le terrorisme, uniquement contre le mouvement social. Tout ça parce qu'ils ont peur, tout ça parce qu'ils sont faibles. Et moi, on a jusqu'en juillet, on va gagner contre la loi travail. Il suffit de continuer à pousser, il faut censurer le gouvernement, il faut censurer la loi El Khomri et son monde, et continuer effectivement à affirmer toute solidarité aux camarades qui en prennent aujourd'hui beaucoup, notamment parce qu'il faut le dire, ce gouvernement est un gouvernement de classe. Merci. Au moins un atout, c'est qu'il est partout. Voilà. Bon, donc je prends la parole. C'est Arlette Laguiller qui devrait être là, mais malheureusement, elle a été retenue pour les obsèques d'un camarade que tu connais très bien, Jean-Pierre. Voilà, donc je tiens à dire qu'on est très content que tu sois sorti. Ce gouvernement est énervé. Il est énervé parce que, après 4 ans de sales coups portés contre l'ensemble des classes populaires, contre le monde du travail, de seul coup, il y a un réveil avec cette loi travail qui était la loi de trop, la mesure de trop. Et il est sans doute un peu surpris de voir que depuis 9 mars, au minimum, la jeunesse, les travailleurs, les grévistes sont toujours là. Ils pensaient effectivement, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, qu'à coup de mensonges, de désinformations, d'agressions et de violences, hein, sans doute le mouvement allait rentrer dans son lit, hein, comme la crue là, qui redescend gentiment. Ben, non, il n'en est rien. Et effectivement, le mouvement continue. On a vu les éboueurs qui sont rentrés dans ce mouvement. Il y a effectivement... beaucoup d'étendue en fait à l'échelle du pays, des secteurs qui petit à petit rentrent en mouvement. À 13h30, il y a cette manifestation à l'initiative des cheminots, mais qui est interprofessionnelle. Le 14 juin, hein, le 14 juin, c'est une grande journée, je pense, et nous espérons tous qu'elle soit effectivement extrêmement nombreuse. Et faire rentrer donc dans la tête de tout le monde que c'est la grève qui est l'arme des travailleurs. Il n'y a pas d'autre moyen de faire que ce gouvernement qui est en train de faire tout le sale boulot pour le compte des capitalistes, des patrons, de la bourgeoisie, avant d'être éjecté l'année prochaine, il se dit, bah, voilà, il est à leur service, il fait la démonstration qu'il est vraiment un valet des intérêts du patronat, et ça dure depuis 4 ans, et il se dit, bon, bah, il ira jusqu'au bout de ce sale boulot. Et bah, il faudrait que dans les jours qui viennent, ce mouvement s'amplifie contre non seulement la loi travail, mais tout ce que ça signifie comme atteinte aux conditions d'existence du monde du travail, des classes populaires. Voilà. De parole parce que à 13h ils font partir au rendez-vous qui ont été donnés. Oui, je vais être très courte justement. D'abord je voulais remercier Jolie Moum d'exister parce que vous êtes de tous les combats depuis des années. Donc, franchement, on est content d'être avec vous. Et je crois que en fait la bataille contre la loi travail et la bataille pour les droits des chômeurs et des intermittents, en fait c'est la même bataille. C'est parce qu'on se bat contre la même logique libérale. La même logique d'abaissement des droits sociaux, donc tout ça va ensemble, et c'est normal qu'on se retrouve ensemble contre la loi travail, et aujourd'hui, pour te soutenir Loïc, mais plus globalement, pour soutenir les droits des chômeurs et des intermittents. Après, sur la répression, ça a été dit par la camarade de la CGT, c'est vrai que la stratégie de l'intimidation et de la peur, y compris dans les manifestations, la gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations est un vrai scandale. Le nombre de blessés à la télévision, Cazeneuve n'arrête pas de dire que les policiers sont blessés, sont malmenés.
alors que le nombre de blessés, de malmenés, de mise en garde à vue côté manifestants et ceux qui luttent sont bien plus importantes. Et pour ça, rien que ça, il faut évidemment s'élever contre les discours dominants sur soi-disant le fait que le maintien de l'ordre, c'est une bonne chose pour les manifestations soi-disant, disons, violents ou terroristes, comme disent certains. Donc voilà, mais pour continuer la lutte, tout le monde l'a dit, évidemment, on attend évidemment de gagner sur la loi de travail et sur bien d'autres droits sociaux. Mais ça, ça dépend de nous. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des rendez-vous centraux hein, qui sont donnés par les syndicats, dont le nôtre. Mais tout se jouera à la base. C'est-à-dire que tous les secteurs doivent absolument, comme ça s'est fait sur les cheminots ou ça s'est fait dans les raffineries, il faut multiplier les AG avec les salariés à la base, parce que c'est par la base qu'on arrivera à renforcer le mouvement. Donc vraiment, dans les semaines qui viennent, tout dépend de ça. Ça dépend de l'auto-organisation à la base des salariés, des chômeurs, des précaires. Enfin, en tout cas, ça dépend uniquement de nous, la suite. Mais on va gagner, évidemment. Merci beaucoup, Catherine. On va maintenir le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment continuer parce que ça s'enchaîne. À Rungis, cette nuit, il y avait plus de 1000 personnes. Il y a 800 personnes qui sont retrouvées avec, donc en tarif de nuit. On va dire, c'est que voilà, on essaie de faire des opérations coup de poing comme ça. Il y a plein de choses qui se passent partout, ça n'arrête pas, c'est ça le but. Le but, c'est que vraiment on voit un déploiement de ce qu'on est capable de faire quand on est vraiment, vraiment engagé et quand on n'a pas envie de lâcher. Et là, je pense que là, on a une démonstration sur la France entière qu'il y a de quoi continuer largement, même si les médias sont en train de nous fracasser. C'est pas grave, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura à un moment donné l'opinion publique qui va se réveiller. Moi, je voulais vous parler de Saint-Denis parce que demain, c'est l'Euro. C'est le premier match au Stade de France et on fait une opération donc de pouvoir se mettre plus près des personnes qui viennent pour voir le match, de leur donner un carton rouge et qu'ils puissent brandir le carton rouge dans le stade pour dire qu'ils sont contre la loi El Khomri. Donc demain à 15h30 à la Bourse du Travail de Saint-Denis, il y aura des RER B, RER D et Porte de Paris et il y aura voilà, des rassemblements. Si vous voulez venir, ben voilà, vous êtes les bienvenus. Je passe la parole à Louise qui a quelque chose à dire. Et après le rendez-vous carton rouge à Saint-Denis, on lâche pas l'affaire. Il y a donc un ensemble de collectifs résistants sur la ville qui appellent à un rassemblement, à une manifestation même, à 18h place de la Résistance, pour dénoncer l'euro, à quel point il se fait sur le dos des habitants et des habitantes de Saint-Denis. Pourquoi il se fait sur leur dos? En fait, ça fait depuis 2010 que l'euro est dans les tiroirs. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2010? Une augmentation de la spéculation immobilière sur Saint-Denis, démolition, expulsion, notamment des habitats, des squats, des plus précaires parmi nous. C'est-à-dire quoi? Un véritable nettoyage social, ce qu'on appelle la gentrification. Ça a été quoi? Ça a été là une présence policière extrêmement importante, la mise en place de caméras de vidéosurveillance qui sont certainement pas là pour assurer la sécurité, mais bien pour assurer le contrôle politique et social d'une ville populaire combative. Et quelles sont les conséquences également pour les femmes? Eh bien, c'est une pression, une menace directe, liée notamment à l'organisation des fan zones, qui va peser sur toutes, dans les transports, ainsi que dans l'espace public. On l'a vu, systématiquement, les grands rassemblements, que ce soit la Coupe du Monde en Allemagne, la fête de la bière à Cologne ou les festivals rock en Suède, ça s'est traduit par quoi? Des dizaines de viols, des centaines d'agressions. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'on se mobilise et qu'on souhaite faire barrage à l'euro. L'euro, ça a été quoi aussi? Ça a été 1,5 million sorti par la mairie pour les aménagements, différents réaménagements dans la ville et... Tout de suite dans la foulée, 10% d'augmentation de la taxe d'habitation. Donc clairement, l'euro, c'est sur notre dos, et c'est clairement contre ça qu'on se mobilise et qu'on dénonce. Le rassemblement, il est donc à 18h. On dénonce l'euro qui est une magouillerie, et donc qui est une manière d'intensifier la guerre de classe sur Saint-Denis. Par le logement, parce que le logement, eh ben, c'est un axe important de la lutte des classes. Et le fait de virer les plus pauvres parmi nous, ça fait partie de la guerre de classe, c'est pour ça qu'on se mobilise. Donc demain, tous et toutes, 18h, place de la Résistance, et on va lui faire honneur, pour donc dénoncer l'euro qui se fait sur notre dos et qu'on dénonce. Voilà. On vous remercie. Au plaisir de te voir dehors au soleil et tout. Voilà. Et puis, après, le truc que je voulais dire et que je vais faire court,
C'est un peu compliqué et on peut le prendre comme un message d'alerte ou bien une possibilité d'extension du domaine de la lutte. Parce que, comme vous le savez sûrement, il y a les négociations assurance chômage en cours. C'est pour ça que les intermittents ont bougé, qu'il y a eu cette superbe action BDF. Côté régime général, les choses sont un peu plus compliquées, notamment parce que quand on est chômeur précaire du régime général, on est actuellement souvent isolé, peu organisé. Alors il y a des collectifs d'amis, il y a des gens qui sont parfois syndiqués, tout ça. Voilà, mais les questions ne sont pas forcément prises en charge. Et il se trouve que le MEDEF, là, annonce une attaque majeure sur les droits des salariés quand ils sont au chômage. Un truc qui paraît un peu énorme, quoi. Alors, je suppose que des gens un peu rompus en négociation diraient que c'est une position de principe et qu'ensuite, ils vont voir. C'est possible qu'effectivement, il y ait des choses qui changent. Peut-être que la CFDT pourrait finalement accepter un accord. Peut-être que les choses vont bouger. Mais pour l'instant, il serait question de réduire le montant des allocations, de réduire les durées d'allocation auxquelles chacun on a droit actuellement. À partir du 1er juillet, elles seraient plus basses, qu'on vienne du public ou du privé. Il faudrait plus... Actuellement, il faut avoir bossé 4 mois pour ouvrir droit. Il faudrait avoir bossé 6 mois. Le maximum d'indemnisation, il est de 24 mois, il serait ramené à 17. Enfin, il y a toute une série de trucs. Il faudrait restructurer le statut des seniors, qui n'est pas très avantageux, mais il y a un petit truc. Il faudrait revenir là-dessus. Il faudrait que les chômeurs qui sont démotivés dans leur recherche d'emploi après un compte qui sont... Un contrôleur déclara démotivé que leurs allocations soient dégressives. Enfin, toute une série de trucs où ils veulent nous bouffer des droits sur le dos. Et voilà. Donc là, il y a une véritable possibilité d'extension du domaine de la lutte. Ils vont se revoir le 16. On ne sait pas très bien comment ça va se passer. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les intermittents appellent un rassemblement à 14h devant le MEDEF. L'adresse, on la connaît tous. Donc, essayons d'être nombreux là-bas pour défendre. Et nous, on y appelle, donc évidemment, contre cette attaque. Des analyses vont sortir, des tracts, machin. Tenons-nous informés. Pour ceux qui bossent, informons nos copains précaires que leurs droits vont être attaqués. Et qu'ils soient dans le public ou dans le privé, c'est la même. Et ça, la première chose, c'est d'informer les gens. Si après, on arrive à construire des lieux où il est possible de discuter de comment on va mener la lutte, ça, c'est l'idéal. On va regarder si c'est possible sur Paris de s'appuyer sur Nuit Debout, peut-être bien lundi, peut-être bien jeudi. Enfin, voilà quoi. En tout cas, rendez-vous le jeudi, le 14, bien sûr, et après le 16 pour des droits nouveaux. Merci, Martin. Précision de Denis. Oui, bonjour. Je suis entre autres un des deux réalisateurs du film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Les applaudissements pour les camarades qui sont aussi là et qui étaient les auteurs. Il y avait Serge Alimi tout à l'heure qui faisait partie de l'équipe. La question des médias n'a pas été posée depuis le début alors qu'elle est centrale. Vous avez tous pu constater depuis 3 mois le travail détestable d'une grande partie des médias et notamment des médias audiovisuels, y compris de services publics. Il y a énormément des choses à faire. La campagne électorale des présidentielles commence et je pense que c'est l'occasion, il y avait Coquerel tout à l'heure, il y a des membres du Parti communiste, de poser cette question politiquement et aussi à des camarades syndicalistes syndicalement. C'est une question centrale. N'oubliez pas que en Grèce, au Venezuela, les situations ont empiré à cause de médias détenus par des puissances financières industrielles comme en France. Vous allez voir si Podemos arrive en Espagne, ce que les médias vont faire. Cette question est centrale. Vous voyez bien que les médias s'échinent à opposer des catégories sociales les unes contre les autres. Ce qui est arrivé à Loïc est peut-être aussi le fruit de ce travail de haine qu'insuffle peu à peu dans la population en opposant les catégories sociales, en stigmatisant les syndicalistes, et notamment par exemple Martinez. Cette responsabilité devient grave, voire criminelle. Je pense que cette question-là, il faut qu'on la saisisse encore plus. Ça fait 20 ans qu'Acrimed est né, que le mouvement 95 a été décrit dans le monde diplomatique, et vous rappelez cette couverture médiatique. Ça n'a pas bougé, ça s'est même aggravé. Il faut qu'on se mobilise, mais vraiment. Et il faut que les partis politiques mettent cette question-là centrale. Il faut faire, dans le cadre des présidentielles, des ordonnances comme le Conseil national de la résistance l'a fait. Il faut nettoyer, et je le dis ici, nettoyer les médias, et pas les nettoyer.
soyez d'une façon démocratique, parce que le minimum syndical bourgeois n'est même plus respecté par le secteur des médias actuellement. Donc un vrai travail, une vraie lutte, et je pense que c'est quelque chose que vous avez en tête, mais que de plus en plus de catégories de la population l'ont, et merci, et bravo. Merci Dominique que tu sois là. Merci Gilles d'être venu de Lille tout particulièrement pour défendre Loïc. Je suis élu conseiller de Paris communiste Front de Gauche. J'ai ici au nom du PCF et des élus communistes de Paris et de banlieue et de partout apporter notre soutien à Loïc, à la compagnie Jolimaume et à tous ceux qui se sont mobilisés et qui se mobilisent contre la loi travail et à tous ceux qui ont organisé ce rassemblement qui est très important. Je crois qu'on est nettement plus nombreux qu'au meeting de Halls hier soir. Et c'est un signe clair. Donc, je voudrais vous dire, on est dans une ville qui s'est prononcée, il y a des rapports de force politique qu'on porte, qui s'est prononcé, qui a voté pour le retrait de la loi de travail, le Conseil de Paris. On est certains élus ici à l'avoir fait, c'est un vœu qu'on a présenté. On a réussi à gagner ce rapport de force politique et sur ce le plus important, évidemment, c'est toutes les mobilisations dans la rue. Il ne se passe pas un jour sans qu'il se passe des choses. Et plein de camarades qui étaient ce matin à Rungis, je peux vous dire que c'était énorme et ça leur fait peur. Et des actions comme ça, il faut qu'ils s'en inventent tous les jours. Et vraiment, et donc je vous invite, bien sûr, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a d'autres mobilisations qui partent bientôt et il faut que le groupe joue, mais à bien sûr à faire un très très gros événement le 14 là, à la manif et à signer massivement la votation citoyenne, ces places de l'hôtel de ville avec ces syndicalistes qui la font signer. Et c'est quelque chose qui est en train de se répandre très, très fortement dans tout le pays où on est encore en train de créer aussi un rapport de force qui gagne jour après jour. Donc merci et bravo à tous et à bientôt pour les manifs. Ça, franchement, je serais à la place de Loïc, je serais content là aujourd'hui de voir autant de monde. Moi, ouais, ça m'est arrivé. On sort de Gardave et là, il y a plein de monde qui soutient et machin. Et franchement, c'est super. En plus, il y a le soleil, c'est le printemps. C'est le printemps qui commence en fait. Le printemps commence, donc on a encore quelques semaines et quelques mois devant nous. Donc, voilà, c'était juste ces petits mots. Puis un petit truc, parce qu'il y a eu bon, un peu de discussion, tout ça. Ouais, on est d'accord, Loïc n'est pas une figure du mouvement social, on est d'accord. Oui, Loïc n'est pas un organisateur des actions du mouvement social, on est d'accord. Oui, Loïc n'est pas une personnalité, quelqu'un d'attachant qu'on aime et qu'on voit dans toutes les mobilisations. Bon, ok, alors Loïc est un grain de sable, un petit grain de sable du mouvement social et qui participe au mouvement social, mais un grain de sable super costaud. Je peux vous dire un truc, dès comme ça, on n'en a pas tous les jours, on est bien content d'avoir avec nous. Allez, la lutte continue. Oui, juste un petit truc, un petit mot quand même, pour dire la violence, il y a la violence policière, mais aussi la violence sociale. Donc la violence contre ces familles qui se font expulser de leur logement, ouais, qui n'arrivent plus à remplir leur frigo, ces gens qui crèvent, ces sans-abri qui crèvent dans la rue à l'âge de 49 ans en moyenne et qui ont 15 ans d'espérance de vie. En gros, malgré les lois qui existent et qui les protègent, eh bien il y a une violation constante de la loi et qui mériterait que bon bah le MEDEF et son monde soient un jour mis en accusation et ce soit eux qui passent au tribunal. Merci. Je pense que tout le monde le connaissait, c'était papa Jean-Baptiste Hérault du droit au logement. Ce sont les compagnons de lutte depuis maintenant un bon moment. Et, et le DAL est droit devant. Je profite pour présenter Jean-Claude Amareille. On essaie de se dépêcher à fond là parce qu'il y en a un qui faut finir. Bon, rapide, alors voilà, Babar a dit beaucoup de choses. Avec Loïc, la compagnie des Jolimômes, l'histoire a commencé en 1995 quand on a occupé le grand squat de la rue du Dragon. Depuis 21 ans, on a labouré largement le terrain auprès des luttes, auprès de la résistance du peuple palestinien, auprès des sans-papiers, auprès des précaires, auprès des pauvres, auprès de ceux qui souffrent, mais qui lèvent la tête, qui n'abdiquent pas. Et en parlant de ça, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il serait bien de faire une convergence avec nos camarades travailleurs sans-papiers qui sont sur la place du Châtelet, parce que ce gouvernement, il est extraordinaire. Moi, je vous le dis, il faut le conserver le plus longtemps possible. Parce qu'il réussit, ce gouvernement, à ce que souvent, on n'arrive pas à faire, nous, dans nos mouvements sociaux, c'est que de taper si fort, si loin, si aveuglément, de façon si démagogique, il arrive à créer des pôles de résistance très larges, que souvent, on a du mal, nous, dans les mouvements sociaux, à reconstituer. Cette cimentation
manifestations qu'on voit aujourd'hui, d'aucuns pensaient que ça serait un dégelé de soleil à la fin du mois de mars, le 30 mars. Aujourd'hui, ce dégelé de soleil, il se transforme en pique-nique extraordinairement fourni, où chacun va s'abreuver, où chacun va se sustenter et alimenter son indignation. Aujourd'hui, l'indignation, elle ne doit plus rester silencieuse. Elle doit être le poing levé, les deux poings levés. Que ceux aujourd'hui qui sont spectateurs deviennent acteurs. Que nous passions du pyramidal au transversal et que nous réinventions aujourd'hui la vraie souveraineté populaire. Nous sommes dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte historique de fond où des consciences en catalepsie sont aujourd'hui en train de s'exprimer, en train de lutter et en train de relever la tête. Les camarades sans papier le prouvent. Quand on a occupé pendant 48 heures le ministère du Travail avec 400 travailleurs sans papier. D'aucuns pensaient que personne pas sans papier n'oserait occuper le ministère du Travail, le gouvernement. Ça a été fait et on a accueilli ce gouvernement à se mettre autour de la table et aujourd'hui on est en train de gagner petit à petit des avancées sur la régularisation des sans-papiers. Pas un pauvre, pas un précaire, pas de ceux qui souffrent ne doit aujourd'hui subir le poison de la fatalité qu'on lui met dans la tête. Ce poison de la fatalité, son antidote, c'est la souveraineté populaire, c'est de se réunir, de converger et de s'installer dans la durée sur le long sillon de l'égalité des droits. Et nous gagnons ! Bravo ! Bravo ! Merci Jean-Claude. C'est juste pour rappeler que la solidarité avec toutes les personnes réprimées, il y en a encore, comme ça a déjà été dit, qui sont en prison. Je ne sais pas si on a évoqué les personnes qui sont inculpées, ceux qu'on appelle les inculpés du 18 mai, qui risquent des peines quand même extrêmement lourdes alors qu'il n'y a pas la moindre preuve dans leur dossier. Voilà, juste pour dire qu'on ne se sépare pas, notre solidarité, elle est contre tous ceux qui luttent actuellement, tout le mouvement social, que ce soit la répression antisyndicale ou la répression des manifestants, et que cette solidarité, elle a un coût. Il y a DEFCOL qui organise pas mal de choses pour recenser, pour récolter des sous. C'était juste pour passer l'info qu'il y a un concert de solidarité justement au bénéfice de Défense Collective le 18 juin au Vignol, et que payer les avocats, envoyer à ceux qui sont en prison de quoi manger un peu mieux. Tout ça, ça a un coût, c'est de l'argent, et que la solidarité, elle passe aussi par là. Et voilà, et puis juste un dernier mot, grève générale, quoi. Ouais. Merci Nadia, j'ai quelques annonces à faire. Alors d'abord, Denis insiste pour qu'il y en ait quelques-uns qui aillent quand même place du Châtelet après donc cette assemblée, qui partent en cortège vers la place du Châtelet avec d'accord. J'ai une annonce pour une marche contre les pesticides à 17h à Dampierre-Rochereau cet après-midi, niveau fleuriste, avec Écologie Debout, Génération Future et autres associations. Convergence, voilà. Alors après, j'ai assemblée contre la répression, mercredi 15 juin à la Bourse du Travail. Et nous tenons, avant de nous quitter, à avoir une pensée pour notre camarade Jean-Pierre Delmas de Lutte Ouvrière qui va être enterré aujourd'hui, et notre camarade Léo qui faisait partie de la commission Action des intermittents et précaires d'Île-de-France. Merci. Beaucoup remercier Célia, beaucoup remercier les camarades de la compagnie Jolie Môme, remercier tous les amis, tous les camarades et tous ceux qui seront en lutte cet après-midi et les jours qui viennent. Merci. Bravo.